Hello, my old friend. Une autre série dans l'univers Game of Thrones pourrait révéler qui sont les ancêtres de Hodor, confirmant potentiellement une théorie de longue date de A Song of Ice and Fire. Voici les secrets d'Hodor, et c'est juste après ça. Voilà, Morgulis. Hodor a commencé Game of Thrones en tant que main d'écurie douce et loyale de la maison Stark, qui ferait clairement à peu près n'importe quoi pour protéger Bran Stark. Cela a pris une tournure tragique lorsque la série a révélé l'origine de son prénom, Hodor, Hold the Door, et comment Bran l'avait attaqué et avait affecté son esprit, transformant le jeune garçon Wylys en quelqu'un qui ne pouvait que dire Hodor, Hold the Door, tenir la porte pour devenir Hodor compte parmi les rebondissements les plus choquants de l'histoire de Game of Thrones, et certainement aussi l'un des plus dévastateurs. Cependant, il y a encore des éléments de l'histoire de Hodor qui n'ont pas encore été révélés, notamment qui sont ses parents et pourquoi il était à Winterfell au départ. Il existe cependant une théorie répandue qui relie Hodor au prochain spin-off de Game of Thrones, le Chevalier Errant. Alors, qui sont les ancêtres d'Hodor ? Dans les livres Song of Ice and Fire, il est dit que Hodor est l'arrière-petit-fils de Viennan, la nourrice des Stark qui est à Winterfell depuis plus longtemps que quiconque. La vieille se soucie clairement d'Hodor, qui est également montré dans la saison 6 de Game of Thrones avec le jeune Wylys, car une version plus jeune d'elle est celle qui se précipite à son aide et est la plus inquiète à propos de lui. Aucun autre détail sur la famille de Hodor n'est confirmé, mis à part le fait que Viennan a deux filles qui ont déménagé et sont décédées plus tard. Les parents de Hodor sont donc inconnus, mais une théorie courante le relie à Sir Duncan le Grand. Il existe bien sûr des similitudes physiques vraiment évidentes. Les deux étaient incroyablement grands, mais la plus grande preuve vient de Bran. Dans une vision dans A Dance with the Dragons, il voit un chevalier aussi grand que Hodor embrasser une femme. On pense généralement que le chevalier est Sir Duncan le Grand, et la femme, jeune, était Viennan. Les histoires de la vieille incluent parfois Sir Duncan, et cette rencontre pourrait être la raison pour laquelle elle aime tant. Sir Duncan le Grand sera l'un des deux personnages principaux du prochain spin-off de Game of Thrones, la série au titre si long qu'il donnerait du fil à retordre à Daenerys Targaryen. Game of Thrones, un chevalier des sept royaumes, le Chevalier Errant. Très long. Basé sur les livres The Tales of Duncan Egg de George R. Martin, Sir Duncan est le chevalier éponyme. La série suivra ses aventures autour de Westeros accompagné de son écuyer, Uff, qui deviendra le roi Aegon V Targaryen. Même avec l'existence de la série, il y a une chance de faire du canon théorique, mais un chevalier des sept royaumes ira presque certainement à Winterfell. Bien que Martin ne l'ait pas encore écrit, le prochain épisode de la série Tales of Duncan Egg devrait être les Louvres de Winterfell. Cela verra le duo se diriger vers la maison ancestrale des Stark, rencontrer les Louvres, un groupe d'épouses, des veuves Stark et plus encore. Et il pourrait y avoir une crise de succession en cours. Compte tenu de la chronologie, cela serait probablement environ 70 à 80 ans avant Game of Thrones. Il conviendrait alors que la vieille Nan, qui aurait peut-être plus de 100 ans, soit à Winterfell à cette époque. Toutes les pièces seront en place pour qu'un chevalier des sept royaumes confirme cette théorie, et une brève romance à Winterfell conviendrait parfaitement au ton léger de la série, si vous voyez ce que je veux dire. Alors pourquoi confirmer tout ça? Ça serait vachement bien. La vision de Bran a probablement une signification plus profonde, et voir la vieille Nan et Sir Duncan le Grand est la plus logique. Il se connecte à une partie importante de l'histoire de Westeros racontée par Martin et fournit ainsi du tissu conjonctif à la prochaine nouvelle. Compte tenu de l'accent mis par Martin sur The Winds of Winter ainsi que sur une myriade d'autres projets, il pourrait s'écouler beaucoup de temps avant que ce livre ne soit écrit, de sorte que l'émission télévisée puisse lui rendre justice à la place. La révélation a également l'avantage de jeter les bases d'une éventuelle tournure pour Hodor dans les livres en développant sa lignée. Ce serait aussi une façon amusante de relier le préquel à Game of Thrones. Le faire de cette manière serait organique, évitant certaines des pires tendances des préquels à se concentrer uniquement sur la mise en place de ce qui va arriver, car cela correspondrait plutôt aux histoires des personnages et étofferait un peu plus certains des meilleurs personnages secondaires de Winterfell. Alors pourquoi l'épisode The Door, la porte, est si emblématique? Alors que The Door de Game of Thrones présente de nombreuses scènes à Westeros et Essos, les scènes au-delà du mur avec Bran et Hodor sont ce qui rend l'épisode emblématique.
Hodor, le serviteur loyal et simple d'esprit qui ne peut prononcer que son nom, a toujours été présent dans l'histoire de Bran, mais son personnage n'a jamais été beaucoup exploré. Tout a changé lorsque le roi de la nuit et l'armée des morts ont convergé vers Bran, Hodor, la corneille à trois yeux, Myra, Summer, le loup géant de Bran et les enfants de la forêt. Bran a divisé sa conscience, une partie de son esprit se dirigeant vers Hodor dans le présent. L'autre partie de son esprit restait dans une vision du passé où la corneille à trois yeux donnait à Bran tous les souvenirs et les connaissances dont il avait besoin pour devenir le successeur. Dans le présent, Hodor a défendu ses compagnons de l'armée des morts et Myra lui a dit à plusieurs reprises de tenir la porte. Ce qu'il a fait, même si les revenants le tuent. Pendant ce temps, dans la vision du passé de Bran, un garçon nommé Willis a commencé à convulser et à répéter « tenir la porte ». Lorsque Bran a croisé les yeux avec lui, la phrase répétée se transformant progressivement en « Hodor ». Les téléspectateurs ont réalisé que Bran était responsable du fait que Wily soit devenu Hodor, tout comme Hodor a sacrifié sa vie dans le présent pour sauver Bran et Myra. Contrairement à la plupart des rebondissements majeurs survenus jusqu'à présent dans Game of Thrones, cette révélation ne s'était pas encore produite dans les livres, ce qui en fait un choc pour tous les publics. Hodor a toujours été un personnage sympathique, mais cet épisode a fait de son histoire l'une des plus tragiques de Game of Thrones, Hodor étant révélé comme une victime des actions de Bran tout en le protégeant jusqu'à la fin. Alors que l'histoire d'Hodor est restée essentiellement inchangée lors de son adaptation pour Game of Thrones, la série a décidé de donner à Hodor un vrai nom différent. Les showrunners n'ont jamais donné de raison officielle pour expliquer le changement du nom de Hodor de Walder, mais il semble que la raison principale était due à l'autre personnage notable qui partageait son nom. Le Walder le plus important de Game of Thrones est Lord Walder Frey, un vieil homme cruel responsable du meurtre des Stark lors des Noces Pourpres, ce qui aurait pu dérouter les téléspectateurs lorsqu'il s'agissait du fait que Hodor portait également le nom de Walder. Et en plus de rendre la répétition des noms moins déroutante lors de la référence des personnages, Game of Thrones a donné à Hodor un nouveau nom qui rend hommage à un personnage qui a été coupé. Étant donné que le nom Walder est davantage associé au Conflant tandis que Wylys est plus courant dans le Nord, les changements de Hodor étaient parfaitement logiques. Il y avait également plusieurs autres Walder établis dans Game of Thrones, donc en ajouter un autre aurait été beaucoup plus déroutant pour les téléspectateurs. La série HBO avait également supprimé le personnage des livres Wylys Manderly, de sorte que le nouveau nom de Hodor rendait hommage au Seigneur du Nord tout en permettant au gentil géant d'avoir un nom non associé à un meurtrier cruel. Changer l'identité de Hodor de Walder à Wylys afin d'éviter la répétition du nom a également suivi une tendance importante pour Game of Thrones. Même si les livres n'hésitaient pas à utiliser encore et encore le même nom pour leurs personnages, en particulier dans l'arbre généalogique de la maison Targaryen, éviter toute confusion était une priorité importante pour la série télévisée. C'est pourquoi l'adaptation de HBO a changé le nom par exemple d'Asha Greyjoy en Yara en raison de la similitude avec Osha, et le nom de Robert Arryn en Robin pour éviter toute confusion avec Robert Baratheon, bien que Game of Thrones ait curieusement coupé les deux Jane de la série. Alors que Hodor est toujours désigné par son surnom, Game of Thrones change son vrai nom en Wylys, ça a du sens à la fois dans l'univers et dans les coulisses. Voilà, que penses-tu de cette théorie? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Irish.